bien loin, les canettes. Bonjour, c'est Kelly, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau DIY. Il s'agit d'une édition spéciale Halloween puisque je vous propose de réaliser avec trois fois rien un crâne à la fois effrayant mais avec une petite touche de girly. C'est un DIY extrêmement économique, il ne coûte vraiment quasiment que quelques centimes. En revanche, il vous faudra avoir un petit peu de temps. Donc je débute avec du carton et du papier de soie qui provient de chaussures. Je façonne une petite boule, vous allez voir la forme à l'image, et je maintiens le tout avec du scotch. Je façonne aussi grossièrement, toujours avec du papier de soie, les formes des orbites qui permettront de construire les yeux. Je fais la même chose pour le nez. Ensuite, l'élément clé de ce DIY, sa pâte autodurcissante. Celle-ci provient de chez Action et coûte pratiquement rien. Je suis même pas sûre qu'elle soit à 2 euros. Et vous allez voir que je façonne petit à petit en rajoutant des couches successives. Pour que la pâte adhère bien, j'utilise une couche de colle vinylique que j'applique au pinceau. Étant donné que je vais utiliser une certaine épaisseur de pâte pour réaliser ce crâne, il est important de faire des petites périodes de pause pour laisser la pâte tout simplement se durcir. Ça se travaillera beaucoup mieux et ça permettra en fait de continuer à rajouter de la pâte pour donner de la dimension au crâne. Et voilà, simplement un jeu de patience. On remet de la pâte, on lisse, on laisse sécher et on continue. Ma première fois avec la pâte autodurcissante et je dois bien dire que c'est quand même pas forcément évident, je suis pas sculpteur, donc de réussir à façonner un crâne. Donc c'est vraiment petit à petit, à tâtons, que j'ai plus ou moins essayé de travailler sur les volumes pour donner quelque chose d'à peu près, on va dire, représentatif et qui colle un petit peu à la réalité. Ensuite, j'ai essayé de façonner une bouche et je voulais avoir quelque chose qui puisse s'ouvrir pour donner un petit mouvement rigolo, comme si le crâne parlait. Vous pouvez aussi creuser et redéfinir certains volumes avec un petit couteau de précision. Quand la pâte a un peu commencé à sécher mais ne l'est pas complètement, c'est très facile à travailler. Et une fois que vous êtes à peu près satisfait, parce que c'est difficile d'avoir quelque chose qui est vraiment parfait, vous allez polir brièvement, grossièrement, puisque c'est un crâne, il faut qu'il ait ses irrégularités qui lui donnent un peu plus de vraisemblance. J'utilise ensuite une peinture chromée de chez Action, toujours pour 1 ou 2 euros, et voilà le résultat. Mais évidemment, je ne m'arrête pas là, je voulais lui donner quand même un petit côté un peu plus chaleureux et girly. Je vais donc passer à la décoration. J'ai donc utilisé différentes perles, des strass avec de la colle forte, et au fur et à mesure, vous allez voir qu'il prend une toute autre allure. J'espère que cette idée de DIY pour créer vous a plu. C'est une petite décoration d'Halloween qui est sympathique. Si vous avez donc aimé ce sujet, eh bien je vous invite à me le faire savoir, likez la vidéo, commentez-la et puis partagez-la aussi auprès de vos contacts sur les réseaux sociaux. Et si ce n'est pas encore fait, filez vite vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun DIY.